Eh bien salut à toutes et à tous Slime Company, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur Hello Neighbor 2. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, il y a 3 ans maintenant, j'avais fait une vidéo découverte de Hello Neighbor premier du nom. Je vous déconseille d'aller voir cette vidéo pour le coup. Mais bref, Hello Neighbor, donc ce jeu où justement on a un voisin un petit peu étrange et le but du jeu c'est d'enquêter, de rentrer dans sa maison sans se faire voir, sans se faire cramer. Un jeu... Alors, pas d'horreur, pour le coup c'est pas un jeu d'horreur, mais c'est un jeu qui peut surprendre, en tout cas qui peut faire peur. On n'avait jamais terminé le premier du nom hein, pour le coup, mais là je voyais sur le Xbox Game Pass Hello Neighbor 2, donc je me suis dit, je vais le prendre, je vais le découvrir. Ça a vraiment l'air d'être beaucoup plus quali que le premier du nom, donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin de connaître le jeu pour s'amuser sur le 2. Et donc c'est parti pour la nouvelle partie les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et encore une fois merci à Eneba pour le Xbox Game Pass qui est à 5€. Au lieu de 15 en ce qui concerne la version Ultimate. Voilà, donc on est sur des graphismes un petit peu plus enfantins. Et puis évidemment, c'est pour s'amuser surtout. Très bien, nous avons notre personnage, notre enquêteur. Là, c'est, il y a un vrai scénario dès le départ. On est un enquêteur avec notre appareil photo. Là où dans le premier jeu, on était un enfant qui avait tout simplement peur de son voisin. Mais là c'est une vraie enquête qu'on est en train de faire. Vous voyez, on prend des photos, des preuves. Un buisson qui bouge, un chat. Bon, rien d'incroyable hein. On va pas se mentir, un chat, bon Ah, voilà, c'est là que ça nous intéresse. Oh là, il t'a vu. Il t'a vu, du coup il s'est calmé, c'est bien. Paf, la petite fessée. Oh bah ça c'est une petite menace quand même qu'il est en train de te faire là. Alors, si tu as un conseil. C'est pas un jeu d'horreur j'ai dit hein. C'est pas un jeu d'horreur. Mais j'avoue, j'ai eu peur. Mais il est partout. Et c'est l'accident. Et c'est l'accident. Et... Ah ouais, ça commence direct comme ça. Ça commence direct comme ça. Bon, mes touches sont pas bien configurées, ça commence bien. Bon, puis ce qui est absolument phénoménal, c'est que commande clavier, hein, c'est vraiment là que je dois aller. Bah écoutez, je ne peux rien changer à part sauter, se baisser, courir, interagir et appliquer. Moi, j'aimerais juste changer le ZQSD, hein, pour le coup, mais je ne peux pas. Bon, bah écoutez, je suis passé sur un clavier QWERTY, hein, pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, voyez-vous... Ça déjà, si vous voulez mon avis, si vous voulez mon avis, ça commence très très mal cette histoire. En plus il est pas loin le mec là, il est juste derrière nous. Ah, je peux peut-être passer par là. Ok, il faudrait que j'actionne ce truc avec une clé éventuellement. Ah, pas besoin finalement, très bien. Ok, qu'avons-nous là? Il nous faut une clé pour ouvrir cette porte, la clé elle est ici. Hop, je la mets, j'ouvre. Bonjour. J'ai un engrenage. Oh non. Voilà mon engrenage que je vais pouvoir placer. Bien évidemment. Quel est ce bruit? Je ne sais pas. Eh bien là. Ah. Non, c'est pas pour la mettre ici visiblement. Ok. Il est en train de venir là. Ok, il faut que je... Ok, j'ai compris. Est-ce que je me situe un peu? Ok, il faut que je casse ça. Ok. Le pied de biche. Et j'imagine... Oh non. J'imagine que je dois... Ah non, je peux toujours pas faire. Faut que j'enfonce quelque chose avec le pied de biche. Et je me chie dessus. C'est pas un jeu d'horreur. Ah, peut-être là. Oui, bien sûr. Hop. Ok. Bon, c'est la phase tutoriel, évidemment, pour apprendre à jouer. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouvrir l'inventaire. Oh. Ok, oui. On a le pied de biche dans l'inventaire. Ok, je me retrouve dans le truc de foin. Ah, faut que je monte l'échelle. Très bien. Je monte l'échelle. Ah, bah c'est... Déjà plus qualitatif que le Hello Neighbor 1 pour le coup.
Donc là à tout moment je peux ressortir mon pied de biche. Très bien. Très bien. Je saute par là. Hop. Et là j'ai l'engrenage qu'il me faut. Et je peux même redescendre par là, c'est fort ça. Très très fort. Ok, allez, je place ici. Petit escape game en ce début d'aventure. Et puis il faut que j'actionne le bazar. Bah là ici tout simplement. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Parce que j'ai encore besoin de lui. Tout simplement. Tout simplement. Ben non. Et c'est au secours. J'ai dû rater quelque chose. J'ai dû rater quelque chose. Tout est là. Tout est là. Tout est. Ah, c'est peut-être pas relié. Si, c'est relié. Ah, il me manque un truc ici. Et là. Ah, mais en fait, il me manque plein de trucs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, t'es sûr que ça. On peut pas le mettre. Mais si, on peut le mettre là. Oh. Sans déconner. Ok. Donc, il me manque encore. Ici. Il me faut un engrenage rouge. J'ai pas dû faire attention. J'ai pas dû bien faire. Ah bah. Pff. Oh les cons quoi. Oh les cons. Allez hop, c'est parti. On se barre. Oh. Oh là, faut arrêter de faire des cinématiques comme ça, hein. Oh. Oh purée, mais c'est pas possible. Ah ouais, direct. Direct. Oh. Un journaliste. Un reporter. D'accord. Et au final, on s'est fait kidnapper chez lui. Ça change complètement la donne. Ça change le scénario. Ah non, pas du tout. Oh, on a un bandana sur le front. Ah si, on est chez lui. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, on est carrément emprisonné, kidnappé à la Black Ops. Mason, tu dois tuer. Ok. Et en plus il y a la police qui est devant la maison. Eh s'il vous plaît, aidez-moi. La police. Ah mais non. Mais je suis trop con. Mais je suis trop con, je suis chez moi. Ok, c'est chez moi. Ok, le journaliste à l'état pur. Non mais là c'est même plus Là c'est un vrai stalker, là c'est pas possible. Je suis un vrai stalker. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi? Oh c'est bien fait ça. Ouais, 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 ouais. Et dans beaucoup de jeux, il n'y a pas de miroir quand même. Hein. Enfin, il n'y a pas de miroir réel. Très bien. Bon, il n'y a rien à faire ici. Très bien. Donc ouais, Hello Neighbor, premier du nom. En gros, on était un enfant et on était intrigué par notre voisin. Donc c'est le même voisin. Et du coup, c'est pour ça on allait chez lui. Et là, c'est à peu près la même chose. On va devoir aller chez lui et enquêter. Sauf que là, du coup, on est vraiment enquêteur. Forcément, ça crée des liens. Donc, pas de soucis. Bon, voyons voir... ce que nous avons ici, bien évidemment. On a le plan du village. Oh. Des magnétos. Donc on va pouvoir récupérer des magnétos et écouter, j'imagine. Là, on pourra ranger les cassettes. Ok, t'as mais je... Ok, et là on va voir les pièces à conviction. Alors, Siming. Donc il a kidnappé des enfants. Et la police... Point d'interrogation. Mais non. C'est un policier? Il a la même tête. Ok, en fait, on est en train de sous-entendre que c'est peut-être un policier. Ah ouais, là, c'est chaud quand même. Hein. Ça, c'est chaud. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Reste ici. Attendez. Juste que je regarde un truc maintenant qu'on croit qu'il y ait de la police. Est-ce que... Ah, putain. Bah oui. Et la police part. Bon, ça revient en boucle. Donc ce serait un flic. Ok. Ok. Bon, on va monter là-haut pour voir ce qu'on a par ici. Très joli, hein. Très joli. Ouais, c'est notre tour radio. Ok, on peut monter en haut encore. Eh, on a la caméra. D'accord, voilà. Donc c'est la maison ici qu'on va devoir aller. Ok. Genre c'est un flic. What the fuck. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Il y en a des caméras braquées là-bas également. Ok, bon, allez, c'est parti. On va ranger les pieds de biche. Et on va aller chez notre voisin. Voir ce qu'il s'y passe. Siming, ouais, je pense que c'est des enlèvements, ça veut dire. J'imagine. Allez, go.
Ouais. On y va. Monsieur le voisin, bon, il faut pas se faire remarquer, hein. Évidemment, hein. Petit nain de jardin. C'est mignon, là. J'ai entendu tousser. Alors, je vais pas encore rentrer. Je vais juste faire le tour. Ok. Ah, mais j'entends des gens tousser. C'est très mignon. C'est très mignon. Il y a des nains de jardin. Ok. Bon. Je me suis dit, voilà. Allez, on va rentrer, hein. On va rentrer, les amis. On va déjà voir ce qui s'y passe. Allô? Ok, c'est fermé. Il y a des pots de peinture. Je peux grimper par là. Allez, go. Hop. Ça, c'est sympa. Maison en construction, échafaudage. Ça me facilite la tâche. Merci, mec. Donc, il a dû s'installer ici récemment. Petite musique merveilleuse. Pour un kidnapping merveilleux. Enfin, pour un kidnapping. Je suis censé aller où, là? Je suis censé aller où, là? Il arrête pas de tousser, le mec. Ah, voilà. Attends, parce que c'est pas très pratique, là, quand même. Hein. Par là. C'est pas très pratique, là, leur truc. Ok. Ok, et là, il faut que j'aille là. Ok, c'est pas très pratique. Faut que je saute de barre en barre. Oh, putain. Oh, non! Oh, non, c'est pas possible. Non, bon, il y a forcément un truc à faire là-haut. Mais permettez-moi d'en douter. Est-ce que je peux rentrer par une fenêtre? Ah, mais voilà, il faut que j'aille... What the fuck? En fait, ok. C'est très bizarre. Bon, c'est que j'ai pas le choix de monter par là, en fait. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'aille là, quoi. Ok, mais c'est pas très pratique, leur truc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok. Je ne comprends pas comment monter sur le toit convenablement, hein. Voilà. Je... Allô? Allez, hein. Hop, voilà, je me mets sur la barre, là, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, il faut que je saute sur cette barre-là. Ok. Ensuite, cette barre-là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Et alors là, mon pote, j'ai pas intérêt à me louper. Voilà. Et ensuite... Et ensuite, il faut que j'aille là. Incroyable. Allez, hein. C'est un jeu qualitatif, évidemment. N'importe quoi. Bon, je recommence. Oh putain! Oh! Wesh! Mais attends, mais j'ai le droit d'être là? Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? Wesh, je me suis chié dessus. Mais attendez, mais il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Il y a même pas eu de transition. C'est pas cette maison là que j'ai montée. Attendez. Il y a un truc que je pige pas. Elle est où ma maison d'abord? Mais attendez, mais je suis pas du tout chez moi en plus. Je suis pas du tout dans le vide. Mais attendez. Ah si, ma maison est là. Je suis venu là. Attendez. C'est bien cette maison que j'ai... Mais attendez. Ah, peut-être la maison est finie maintenant. Il y a eu une transition un peu désastreuse peut-être. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, il m'aime pas lui, hein. Ça va, mec? Pourquoi? Ouais. Bon, on va essayer de trouver un moyen de rentrer, de faire le tour. Je... C'est à n'y rien comprendre. Interdit de passer par là, d'accord. What? Mais ça a changé, wesh. What? Qu'est-ce qu'il a fait, le bug? Vas-y, j'y vais direct. Tu crois que ça passe? Allez, hein, je peux pas. Ok. Alors, ça ressemble à la maison du premier opus. Hop, on va passer par derrière. Je peux peut-être enfoncer ça ou ouvrir, non? Non, c'est fermé. Attendez, pied de biche. Dommage. Dommage. Là, j'avais vu qu'il y avait une échelle. Allez, go. Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé quand je suis tombé. Comme dit, je suis tombé et je me retrouve dans un autre univers.
Ok. Bon, j'imagine que je peux casser ça. Ah ouais, ça marche bien. Bonjour. Ok, j'imagine que je dois faire ça. Oh. Oh non. Arrête. Adieu. Adieu. Ok, bon, si je sors de son terrain, c'est bon. Eh, je me chie dessus. Mais je suis censé faire quoi quand je suis là-haut, là? Y'a rien à faire là-haut. Bon. Mais attendez, mais y'a un truc que je comprends pas. Le flic, là, il habite pas là, en fait. Il fait une enquête. Il fait une enquête. Je comprends rien. Eh, y'a une grange ici. Eh, mais c'est là où on a commencé le... c'est là où on a commencé le jeu. D'accord, mais j'y comprends plus rien. Je comprends plus rien. Eh, vous savez quoi? Le Hello Neighbor 1 était quand même beaucoup plus simple. T'avais un voisin bizarre. Fallait rentrer chez lui et enquêter. Point barre. Là, le voisin bizarre, c'est un flic. Ah bah voilà. Non, c'est une scène de crime. Ouais. Ok. Évidemment, il va venir. Ok. Moi aussi j'enquête hein. Ah ouais. Original. Donc là on peut se cacher. Ce qui sous-entend qu'il va venir. Oh putain. Je l'ai entendu arriver, non? Ok. Ok. J'ai bluffé, voilà, je... J'ai bluffé. Ah! Ah! Genre, il m'a pas vu. Énorme. Alors là par contre je me suis yesh dessus mon pote. Je me suis yesh dessus. Oh. Ok. Heureusement il a l'air un peu teubé. Wouah. Allez j'y vais. Ah je peux pas monter. Oh non. Oh putain. Oh purée. J'ai eu si peur. Bon, on va essayer de... on va essayer de remonter à l'échelle. On va essayer de remonter à l'échelle. Parce que s'il y a une échelle... Ah, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour aller aux échelles. Hein? Ok. Ah. Bah non. Eh, mon pied de biche. Je l'avais laissé là. Oh mais bien sûr, j'ai compris. Regardez. Ah. Ça c'est gênant. Mais... 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 Comment je fais? Là, là à mon avis il faut venir là. Voilà. Ça c'est bon. Là je peux pas, là je peux pas. Par contre je peux faire ça. Et ça. Voilà, on y vient, on y vient. Us. Voilà. Et là, ça ne sert à rien. Putain mais c'est un truc de ouf. Bon, si on peut faire ça dans ce sens, ça veut dire qu'on peut le faire dans l'autre. Ça. Oh non. Mais c'est plus où je suis, c'est bon. Il est trop con. Il est trop con ce flic. Ah! Je peux pas monter là? Non. Ah, attendez. Hop. Voilà. Donc on va essayer de faire ça de l'autre côté. Super. Bon, mais ça veut dire que ça ne sert à rien de monter. Faudrait trouver un moyen de descendre. En fait, faudrait trouver une clé, c'est ça?
Mais même pas, mais c'est complètement con. Tu sais que tu peux ouvrir là, fais pas genre. Hein. Fais pas genre. Hein. Y'a rien qui bloque. Hein. Un pied de biche ou tu. Je sais pas, mais. Je ne comprends pas. Bon, tu m'excuseras, monsieur le policier, je rentre chez toi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ah ah. Eh, je suis sûr, il m'a perdu. Je suis trop fort. Ah. Oh putain. Ah ouais, je m'y attendais pas. Ouais, je m'y attendais pas du tout. La musique s'est arrêtée, moi je pensais qu'il avait fini de me courser. Ah, monsieur. Attends, je voulais te balancer. Non, mon pied de biche. Voilà, c'est à moi, hein. Bon. C'est bien de la merde, hein. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est prendre des sacs poubelles et lui envoyer dans sa sale gueule. Ah ah. 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 J'ai... Eh. Reste chez ta mère, toi. Eh. Paf. Attends, attends. J'ai une surprise pour toi. J'ai toutes les poubelles que t'as rangées. Enfin, du coup, c'est pas toi qui l'as rangée, visiblement, puisque c'est pas chez toi, apparemment. Viens voir. Viens voir. Il est plein de merde. Ah ouais. En gros, il y a moyen de faire diversion et de le ralentir. J'ai capté. J'ai capté. J'ai capté. J'ai capté. T'as les crampes. Regardez. Hop. Voilà, ça le racaille. Ça le racaille. Ah, je sais pas où donner. Oh non. Ah. Ok. Bon bah il m'a menotté. C'est bon. Bon. Par contre j'insiste, je veux bien que vous m'expliquiez au début en commentaire. J'ai pas compris ce qui s'est passé, pourquoi on montait sur le toit, on est tombé et d'un coup on se retrouve dans un univers parallèle carrément. Vas-y, je passe par là. Ok. Soyons sérieux deux minutes. Faut qu'on trouve une clé ou un truc comme ça. Faut faire quelque chose avec ça. Ok. Là, il faut une clé également. Putain, il faut trois clés, mec. Quatre clés. Faut trouver des clés. Oh, c'est un truc de ouf. Hop. Voilà, comme ça s'il rentre. Bon. Là-dedans. Non. Là-dedans. Ok. J'ai mis une alarme. Hop. Voilà, comme ça il rentre. Non, en vrai, je vois pas quoi faire. Je vois pas du tout quoi faire. C'est la panique. C'est la panique. Il a l'air un peu fatigué quand même, le bonhomme. Hein. Monsieur. Il ressort. Oula. Je vois pas où choper les clés là. On peut même pas prendre les cadres. On peut même pas ouvrir les tiroirs. En fait, j'ai l'impression qu'on pouvait faire plus de trucs sur Hello Neighbor 1. Hop. Voilà. Génie que je suis. Et là, à l'entrée, y'a rien à faire. Hein. Ouais, j'ai une bonne strat. Hein. Mais y'a rien là. Ah, t'es dans les lapins? Dans les lutins? Je vois pas quoi faire, les gars. Horrible. C'est horrible cette sensation de pas savoir quoi faire. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Bon bah voilà, ça m'a fait plaisir. Ah. Oh. Non. Ok. Bah ouais, bah écoutez, mais les gars, à cette échelle, et je vous jure, ça fait 4 fois qu'on monte là-haut. Ça fait 4 fois qu'on monte là-haut. Il y a bien un truc à faire, c'est pas possible. On se fout de moi. On se fout de moi.
Imagine, tu pouvais ouvrir la fenêtre tout bêtement. Mais non, non, on ne peut pas. Là, je peux pas aller là-bas, c'est confirmé. Et là, ça me paraît bizarre que... Merde, que je puisse aller là-bas. Allez, hein. Salut, sale racaille. Bon, ben, ma foi, je... Je capte pas ce qu'il faut faire, les gars. Je capte pas ce qu'il faut faire, les gars. En tout cas, c'était House Flipper 2. Voilà. Non, pas House Flipper 2, qu'est-ce que je raconte? C'était Hello Neighbor 2, bien évidemment. Disponible sur le Xbox Game Pass. Un petit peu déçu de pas pouvoir... bah, de pouvoir rien faire, en fait. Je peux pas te choper les clés? Câlin. Non, mais je sais pas, je me suis dit peut-être que... Peut-être qu'il avait les clés sur lui. Oh. Excellent. Exceptionnel. Est-ce qu'on peut aller chez les voisins? Bah non. Tout se passe vraiment ici, hein. Il est essoufflé pour rien, le mec. C'est impressionnant. Hein? Y'a rien. Là, on peut pas monter. Oh. Nique ta mère. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Orc. OKK. ONG. Organisation nationale. Non, non, not November. Oh, oh, oh. Caca. J'en peux plus. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pardonnez-moi. Il y a forcément un truc à faire ici. Mais ça, c'est le voisin qui a kidnappé les deux enfants. Et ça, c'est un policier, mais c'est un faux policier. J'ai compris. Il fait genre d'être policier. Alors que c'est lui-même qui a kidnappé les enfants. Oh. Oh, c'est horrible. Il y a une lettre. Il faut trouver une clé. Putain, il n'y a pas de choix. Il faut trouver une clé. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Il faut trouver... Merde. Une clé. Adieu. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, les amis. Allez, viens, petite racaille. Voilà. Il y a ton œuf au plat qui est prêt. Enfin non, bah non, tu fais pas ça, un œuf au plat, tu restes à côté. Je suis trop con. Allez. Voilà, c'est bon, t'as vu ton alarme? Voilà. Oh. Oh. C'est bon. Et on repart. Oh. C'est bon. Oh là. Oh là. Eh, imagine, il ouvre. Voilà. Allez. Oh putain. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon. On a toujours pas d'indice. On a juste vu qu'il y a un tableau, qu'il y a un code à rentrer. Un. 9. Un. Bon. Ça me rend ouf. Siming. On n'a pas leur nom en plus. Ça aurait pu m'aider. Alors. Ah! Arrête! Je suis bloqué! J'étais bloqué! Oh putain de merde! Ouah, je me suis yèche dessus! Oh la racaille! Qu'est-ce que je suis censé écrire comme code? Il a pas une insigne sur lui, une plaque? Y a pas un truc écrit sur lui là? Rien qui pourrait m'aider quoi. Regarde, je monte sur ta caisse, tu vas faire quoi? Oh! WCLP. Ah non, c'est 4 lettres, dommage. Dommage. Oh!
Et je tourne, tourne dans le vide. Oh là là, le jeu a le souci du détail, hein, c'est impressionnant. Hop, voilà, il n'y voit que du feu. Bon. Comment qu'on va faire? Putain. Ça me rend dingue. Je peux pas ouvrir ça. 1, 2, 4. Ouais, mais c'est des chiffres, ça m'aide pas. Mais non, c'est l'heure. 12h24. Oh. Non. Eh, c'est... Ça m'affole. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. R, K, R, N, O, T. Non mais t'as cru qu'on allait faire toutes les combinaisons? Mo. M, D, R. Putain. Je suis sûr la soluce elle est juste devant nous. Ça me saoule. Ça me saoule. On est allé ici 30 milliards de fois. Putain. Bon, je vais élaborer une strat, je vais remonter pour la 5e fois en haut. Parce que maintenant qu'on a compris qu'il y avait un code à trouver, si ça se trouve, eh ben à l'étage on peut voir un code de 3 lettres. En vrai de vrai, il y a grave moyen. Ce serait malin. Vu que de toute façon le jeu n'a pas l'air très malin. Voilà, c'est un échec. Il y a que dalle. Je vais essayer de repasser par là. Voilà. Là on voit rien, là on voit rien. Je peux pas ouvrir, évidemment je peux pas casser non plus. Hop. Hop. Oh, là je peux rien faire non plus. Putain mais il y a forcément un truc à faire, ça me saoule. Eh, tu vas faire quoi d'ailleurs? Nah. Eh, on dirait que ça a même pas... En fait regardez, ça a même pas été prévu que je puisse aller sur le toit. Ça a même pas été prévu que je puisse aller sur le toit en fait. Je suis juste un génie. Bon bah ma foi. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Si je prends un sac poubelle et que je casse un nain de jardin, genre. Attends. Voilà, ça ne marche pas. Ah attendez. WCN. Oh mec, notre truc de journaliste. WCN 100% c'est ça. Ah. Putain. WCN. Vous êtes prêts? WCN. Non mais par contre là mon gars, avant il était aveugle. Eh, reste chez ta mère toi quand même. Bon. De toute façon, il a l'air un petit peu débile. Hop. On rentre par là. WCN. Alors, est-ce que c'est possible déjà? Voilà, il n'y a pas de W, hein. Putain. J'adore comme on a aucun indice. Mais genre vraiment.
Imagine, je pouvais casser ça. Oh, il me faut des ciseaux. Il me faut des ciseaux. Mais fallait me le dire plus tôt. Mais fallait me le dire plus tôt. Oh, ça y est, au bout d'une demi-heure, les gars. Des ciseaux. Il me faut des ciseaux. Genre, y'a pas de ciseaux dans la cuisine. C'est quoi cette cuisine de merde? Y'a pas de ciseaux dans la cuisine. Bon, bah, y'a peut-être des ciseaux au bureau. Allez, go au bureau. Bah, y'a pas de bureau. Ah putain, j'avais compris maintenant, faut des ciseaux, j'ai pas de ciseaux. Où c'est qu'il y a des ciseaux? Mais non, mais c'est pas possible. Il est là le bureau. Y'a pas de ciseaux. Il me faut des ciseaux. Attends. Imagine, il faut que je chope les ciseaux chez moi. Ça me paraît ridicule. Y'a pas de ciseaux. Y'a pas de ciseaux peut-être là. Donut. Évidemment, c'est un flic. Oh putain. Oh. Je me casse. Il me faut des ciseaux. Je rentre à la maison pour voir si j'ai des ciseaux. Non, bon, en vrai, c'est bien de la merde, hein. Non, mais je suis désolé. Je sais que, attention, hein, Hello Neighbor, c'est un jeu qui est tellement apprécié par beaucoup. Faut pas en dire du mal. Mais à un moment donné, là, je trouve que c'est éclaté au sol. Voilà, je pèse mes mots. Alors oui, c'est parce que je ne comprends pas ce qu'il faut faire, tout à fait. Mais par définition, donc, j'ai pas de ciseaux chez moi. En même temps, ça aurait été débile que je ramène des ciseaux de chez moi, je pense. Voilà, c'est pareil, il me faut des ciseaux. Hein, regardez. Excellent. Il faut que je trouve des ciseaux. Peut-être que j'aille au supermarché, non? Enfin, non, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Je vois pas du tout le... l'intérêt... comment faire, quoi. Non, c'est juste pas possible. Je ne comprends pas, bon. Bref. Voilà. C'était Hello Neighbor 2.